Ouais, je crois beaucoup au dessin pour mes images, enfin pour ce que j'ai envie de sortir. Là, c'est la couleur. Moi, c'est le dessin. Et la couleur, après, certifie. C'est comme lui et approuvé. Moi, d'abord, je veux que les gens lisent. Et le dessin, c'est la lecture. Et après, on certifie que c'est bien. C'est bien de l'art, alors il faut mettre de la peinture. Si tu mets que du dessin, ils disent ouais, mais ben si, le dessin, je voudrais réhabiliter le dessin. Le dessin, ça peut être vraiment le signe. De toute façon, c'est le squelette de la peinture. Même en art abstrait, ben, le mec qui sait pas dessiner. Ben, même dans l'art abstrait, s'il n'y a pas de dessin, on le voit tout de suite qu'il ne s'est pas dessiné. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre un vrai tableau abstrait et un faux. Les coloristes, c'est bon pour les papiers peints, pour les robes. Je crois que j'arrive de Bordeaux. Là, je rencontre une femme qui habite Place des Vosges et qui me prend d'amitié en 1 heure et qui m'amène chez elle. Et chez elle, qu'est-ce que je vois? Des tableaux de toute beauté. Et je demande qui est ce peintre, est-ce que c'est un copain, ainsi de suite. Et ah, ben, tu ne connais pas? C'est Corneille. Corneille, l'Arcobra. Et elle m'explique, hein. Et plus elle m'explique, plus je commence à apprécier les œuvres qui étaient sur ce mur. Et puis elle me dit, ben, en plus, je connais la femme de Corneille. Un jour, elle me dit, tiens, voilà, la Natacha, la femme de Corneille, fait un repas, veux-tu venir? Voilà, j'y suis allé, et je suis tombé dans ce monde d'artistes déjà reconnus. Ben, ils sont pris d'amitié pour moi. Et ben, ils m'ont prêté un atelier. Et j'ai appris mon métier de peintre, mais toujours dans l'influence de Corneille, car j'adorais ce qu'il faisait. Ben là, j'ai appris dernièrement qu'il est mort. J'ai attendu que son enterrement soit fait, puis j'ai eu l'occasion d'aller à Auvers-sur-Oise, sur sa tombe. C'est qu'en face, il y avait la tombe de Théo et de Vincent. Et je me suis dit, merde, les deux qui m'ont le plus influencé sont ensemble. Enfin, voilà, il est beau ce rouge, le nom de Dieu. Il est beau ce rouge, j'aime bien ce rouge. C'est pas le rouge Bordeaux là, c'est le rouge sang presque. Bon, mais comme il fait beau aujourd'hui, je vais mettre un peu de lumière. Un peu de lumière. De la lumière. Ah ben tu vois, avant de boire le rouge, j'avais pas bu, j'avais foutu tout en gris. Maintenant que j'ai bu un verre, ça y est, je vois tout en couleur. Vois les influences, les mecs disent, par quoi vous êtes influencé? Ah bah, je suis influencé par les expressionnistes allemands ou par le Bauhaus. Et vous, M. Martinerie? Ah moi je suis influencé au Pinard. Si l'année a été bonne au Pinard, alors là je peux vous dire des merveilles. Des merveilles. Pas déconner non plus. Pas trop déconner. Dans une assiette en plastique, la différence avec une palette, c'est que la palette, eh bien tu la portes la palette, tu la portes. Alors c'est marrant, plus tu portes la palette, moins tu oses mettre de la peinture parce que c'est lourd la peinture, c'est très lourd des fois la peinture. Mais quand c'est dans des assiettes là, jetables, ah bah tu vas, tu t'en fous de la peinture c'est la vie, on s'en fout. Voilà, la vie c'est... Hop, c'est pas pour ça que je dis que ma peinture est jetable, hein. Pas dit ça, hein. Mais bon.
J'aime bien Internet aussi parce que comme ça, tu vas chez les gens, tu vois. Alors que quand tu vas, toute ma vie, j'ai fait beaucoup comment on appelle ça? Tu vois, je sais plus comment on les appelle. Les galeries, ah oui, ça s'appelle comme ça. Les galeries. Bah, les galeries, bah, tu vas à la galerie. Alors que moi, je vais chez les gens et je peux te dire, et eux, ils sont en pyjama, il y en a, ils peuvent regarder mon travail en pyjama, il y en a, ils bouffent, ils se curent le nez, ainsi de suite. Et si mon travail est bon, eh bien, ça les arrête pendant quelques secondes de se curer le nez ou de, je sais pas, de bouffer, mais putain, on bouffe trop de toute façon. Et alors, comme Chagall, lui, ne supportait pas de signer, parce qu'il se disait toujours que un tableau, on le signe quand il est fini, et un tableau, il n'est jamais fini, logiquement. Eh bien, moi, je considère qu'il est fini, ce tableau, parce que de toute façon, moi, je suis fini, là, aujourd'hui. En fait, j'ai connu Philippe Martinerie de façon tout à fait, par le plus grand des hasards. Ça devait être. C'était en 99 ou 2000. Et comme j'avais vu qu'il habitait dans les Yvelines, au lieu d'attendre qu'il m'envoie le tableau par la poste, je lui téléphone et je lui propose de venir le chercher à l'atelier. Alors il me répond, bah écoutez, pourquoi pas. Je prépare le saucisson et je lui réponds et j'apporterai le vin rouge. Et ben voilà. Voilà, et donc je suis venu chercher mon tableau, on l'a saucissonné, on a bu une Voilà. bonne bouteille, Ah oui. et voilà comment on s'est rencontrés. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu son atelier, j'ai vu ce qu'il peignait. J'ai acheté quelques autres toiles depuis. Et voilà. Et voilà. Et le pinard continue à couler. Ça n'a pas été chose facile de le rencontrer. J'avais vu les sculptures de Philippe dans la boutique Oui, je faisais des sculptures avant. du photographe Beaubourg Photo Bernard. Et bon, j'allais de temps en temps pour faire développer des photos. Et puis je lui dis, mais attends, mais là au-dessus, bien caché, il y a des trucs qui sont merveilleux. C'est un Africain qui fait ça. Ah oui? Ah, il me dit non, ce n'est pas du tout un Africain. C'est Philippe Martinerie, c'est-à-dire c'était une série de sculptures d'inspiration africaine, mais très moderne, très élaborée, qu'un Africain aurait pu faire. Mais je lui dis, mais quand même, c'est vrai que ce n'est pas de la tradition pure africaine. Il y a une touche de modernité, il y a une touche de savoir, il y a une touche de connaissance dans ces pièces. Je peux en acheter. Ben, il me dit, ouais, mais ce qui serait encore mieux, c'est que je te le présente et puis dans ta galerie, tu lui feras une exposition. Ah ben, faisons comme ça. Puis un jour, quelqu'un est venu, comme ça, le passage, mon lien n'était pas assez étroit. Je suis Philippe Martinerie. Ah, je dis, mais quel bonheur. On fait une exposition. Voilà. Parce que, au fait, les gens me disent quoi? Oh, des galeries. Mais comment fais-tu pour trouver les artistes? Ah, Tu gênes à toi des fois. parce que pour la plupart des gens, le mystère, c'est de trouver les artistes. Au fait, non, le mystère, c'est de trouver des acheteurs. Oui, Les artistes, on en trouve comme sable à la plage. J'ai reconnu chez lui un talent. Tout de suite, donc après les sculptures. Et puis après, il m'a montré quelques dessins, et puis on a rapidement fait une exposition qui a été un succès éclatant. Ah ouais, bah à chaque fois, après. Ça fait qu'on a fait deux expos par saison, une en printemps, une en automne. Et à chaque expo, on vendait 40 à 50 tableaux. Hein. Il avait toujours des petites surprises à me faire. Et des fois, tu voyais un mec qui fait du happening, qui arrivait en taxi, Ah, putain, extra. Nato. Voilà, il arrivait en taxi, puis un coup, les gens entendent. Tu voyais un mec sortir avec une femme à poil, sur le dos, arriver dans la galerie,
faire le tour de la galerie, tous les gens avec le verre, la nana comme ça, comme de la viande, quoi, tu vois. Et hop, il reprenait le taxi, il s'en allait, tu vois. L'art conceptuel, dont Lizaine fait partie, pour moi, rejoint un peu l'art brut, dont je suis un grand amateur et défenseur. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on peut encore maintenant inventer ? La vidéo, le film, les installations, tout ça est terminé. Et je crois qu'il faut revenir vers les origines de la peinture. Ouais. Il m'a éduqué. D'ailleurs, j'ai fait pas mal d'art brut. Oui. Mais j'appelais pas ça d'art brut parce que moi, je suis pas brut. Mais il a réussi à trouver chez moi un peu de brut où j'ai pris mon pied là. Mais c'est plutôt. C'est, parce que là, par contre, je voudrais bien. Parce qu'il m'avait posé la question. Pour toi, quelle est la différence entre l'art brut et l'art singulier ? L'art brut, tu penses que. Enfin, non, pas, je ne pense pas. Ouais. L'art brut, c'est vraiment l'art des personnes qui n'ont aucune culture picturale, ni même culture artistique. C'est-à-dire des gens qui font, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire et qui font. Voilà. Du matin au soir, ils font, ils font. Donc ils sont complètement à l'écart de la civilisation. Donc vu que les singuliers, ils se sont inspirés des gens d'art brut pour dire, bon, ça je peux faire aussi. Ah, voilà. Faire un petit bonhomme, faire un petit machin, faire un petit bonhomme comme ça, un petit bonhomme comme ça. Ça, je peux faire. Voilà. Donc, les singuliers sont des gens qui connaissent l'art et l'histoire. C'est des opportunistes, alors ? Non, quand même pas. Absolument. Ce sont des opportunistes, absolument, pour moi. Voilà. Et pourtant, dans les singuliers, ils ont réussi à donner un emballage beaucoup plus aisé pour celui qui l'achète, parce que l'art brut, parfois, ça peut être une répulsion. Et l'art singulier, ça fait quand même... T'as vu ? Ils atténuent les angles. Il faut que ce soit un petit peu comme en taux, là. Tu vois, je pense quelque chose qu'on puisse accrocher au mur. Il le fait vachement décoratif. Tandis qu'à l'art brut, c'est des choses qui déchirent l'œil. Voilà, moi, je suis très heureux que Michel ait toujours ce tableau ici. Hein, ça fait des années. Parce que ça, c'est une période que j'adorais. C'était la période où je travaillais dans la matière. Et ça, par exemple, c'est de l'enduit, enduit de lissage. Et je gravais dans l'enduit de lissage. Je faisais des enduits secs, des enduits, tout ça. C'est ce qu'on appelait à l'époque support surface. J'ai toujours aimé ça parce que dans mon art actuel, c'est beaucoup plus esthétique. Là, c'était plus dans les recherches. Mais là, tu vois, c'est à main levée, un petit peu comme à la Thaïlandie et ainsi de suite. J'attaque, ou un peu à la Leschinski, j'attaque et je ne sais pas ce qui va arriver. Mais tout est juste, tout est juste. Et donc parfois c'est des miracles, parce que des fois tu attaques un machin et tu sais pas où tu vas. Et puis un moment d'égarement et paf, simplement un petit trait qui va pas, et bien tout est foutu. En plus c'est dans l'enduit, donc tu ne peux pas te permettre de te tromper une seule fois. C'est un peu comme dans la calligraphie japonaise, tu fais un geste, s'il marche pas, il marche pas. Bon, et moi j'adorais cette... Et je suis content parce que c'est vieux quand même ça. Et chaque fois je reviens en pèlerinage, je vois ça. Il y a des trucs, ça c'était mes vrais autoportraits, maintenant ils sont vachement plus esthétiques. Mais moi avant c'était ça, mes vrais. C'est-à-dire que ce côté art brut, c'était, je veux dire que, tu vois, regarde, par exemple, mes fusains maintenant sont beaucoup plus esthétiques. Mais regarde, c'était des fusains beaucoup plus noirs, mais beaucoup plus... Tu vois, par exemple là, tu vois, là, même mes nus maintenant n'ont pas ce côté, sont beaucoup plus fins. Là, c'était encore dans le trait très souligné, ainsi de suite. Non, c'est. Mais il faut peut-être passer par là, il faut peut-être passer par les traits grossiers pour devenir un petit peu plus maniéré. Et moi maintenant, le maniérisme, j'en ai ras-le-bol. Moi, je veux revenir au côté brut. Ça, c'est vrai. J'étais sculpteur, et puis à un moment donné, à Paris, la sculpture, je n'avais plus d'endroit, je travaillais dans une cave. Alors, j'ai cherché toutes les techniques. C'est des sculptures que tu peux faire avec sans poussière, sans rien. C'est du papier mâché, du fer. Mais moi, ce que j'aimais dans la sculpture, c'est d'aller à l'essentiel de la forme, tu vois. C'est un cheval, mais il y
n'y a pas les oreilles, il n'y a rien. C'est vous génial, avez déjà ça. Vu des belles pièces, mais là, ouais. C'est mon trésor, c'est mon Martinelli préféré. Ça, c'est un que je ne vendrai jamais de ma vie. Regarde. Je le tenais à l'envers, mais il marche de tous les côtés. Vous savez, quand une œuvre est belle, on peut la regarder de tous côtés. Exactement, c'est la perfection. Non, mais ça c'est pour moi. Le résumé de toute sa carrière que j'ai connue jusqu'à là. Bon, je peux voir. Ah, tu te rappelles plus. Non, non. Attends, ah là, t'es bon. Là, t'es bon. Ouais, ça, c'est compris, un chef-d'œuvre, ouais, franchement. Ouais. Ça, c'est la synthèse. Merci. La synthèse de tout son travail. J'ai fait un lit de poireaux. J'adore, c'est ce que j'ai vu. Un lit de poireaux où tu fais allonger le le saumon. Malheureusement, le poireau, je l'ai un peu trop cuit, mais bon, ça ne se voit pas. Oh non, c'est très C'est-à-dire que le poireau, il est un peu... comment te dire? Quel qu'on croit que chez les artistes, on mange que des cassoulets, mais non, on mange du saumon. Tu vois, il y a beaucoup de peintres qui n'aimeraient pas. Alors que Picasso, tu te rappelles, avec machin, il n'y avait aucun problème. Il y a beaucoup de peintres qui n'aimeraient pas qu'on les filme quand ils peignent, parce qu'ils sont laborieux, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont... Mais moi, je suis de la race de ceux qui n'ont pas peur, parce que si c'est raté, c'est raté. L'erreur est le portail de la découverte. C'est en faisant des erreurs qu'on découvre. Celui qui ne fait pas d'erreur, il découvre rien. Par contre, il est peut-être mieux, mais en tout cas, il ne fait pas d'erreur. Un jour, on n'aura plus qu'un doigt. Pour appuyer sur un bouton, on n'aura plus qu'un doigt. Les autres... Le bien crée le besoin. Bon, si avant on avait besoin de toucher, maintenant on ne touche plus, tout est virtuel. Donc on n'a même plus de main. Donc moi je trouve qu'il vaut mieux être un élagueur au coupe-coupe dans la jungle qu'être une autoroute du bon goût. Et puis en plus c'est très japonais tout ça. C'est vrai que c'est une culture qui est très très particulière, mais putain, soyons ethnologues, œnologues. Mais soyons pas frileux, putain, au moins qu'il faut... Ici, t'as pas froid, ici? Non, putain.